Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Du Seigneur Jésus. Nous sommes là en ta présence afin d'exprimer notre amour et notre attachement à toi seul, le vrai Dieu. Nous sommes là en ta présence parce que tu nous apprends à mieux te connaître, puisqu'il n'y a que toi qui es le vrai Dieu. Et dans l'instruction que tu nous donnes, tu ne cesses de nous révéler qu'il n'y a que donc que toi seul. Nous sommes là, Seigneur, afin de recevoir de ta part des orientations par toi, notre Père. Reste là avec nous. Il reste ici près de nous. Au nom de Jésus, bénisse ta parole, afin que nous en tirons profit pour toute la richesse qu'elle contient pour nous. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Applaudissements. Ouvrez vos livres, s'il vous plaît. Vous pouvez compter à un saut. Dans le sol. Dans le cas, tu n'as pas pour avancer. Psaume 45, le verset 2. Vous pouvez avancer, vous pouvez appuyer tout pour une année. Il y a mis parlé. Psaume 45, verset 2. Pour que l'aventure, pour qu'après tout le monde ait mis à nous, mon longueur y a mis parlé. Je lis. N'importe quoi. Des paroles pleines de charme m'adornent dans mon cœur. Maloba Oyo et Tondi, ma langue. Et j'arrive au matin à monter ma langue.
j'ai dit, Narobi, mon cœur est pour le roi. Ma langue soit comme la plume d'un navire écrivain. Amen. 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 Disons tous Amen. Amen. Fortement Amen. Amen. C'est bon. Amen. Je veux bénir encore. Et je veux que tu sois persuadé. Seulement en disant. Il faut que tu sois capable toi-même de comprendre ce que Dieu est en train de dire avant que je ne puisse donner le développement. Et si tu le veux, lis ensemble avec moi. Mais ne te presse pas de terminer la lecture, mais essaye de comprendre. Souvenez-vous que je vous ai enseigné que le Réma vient après Logos. Si un homme n'est pas capable de comprendre Logos, certainement, à coup sûr, il tombera dans une fausse révélation. Lisons. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Maloba, Oyo et Tondi, Namalamu, Ezali Komata, Namote Mananga. J'ai dit, Nalobi, mon cœur est pour le roi. Mote Mananga, Ezali Kona, Mokonzi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et que le Lémonangaï, applaudissements. Quelqu'un peut dire Amen là où il est. Amen. Bien. Ce que nous allons développer, c'est la prière. Dina Likambo, Otokulobana, Thomas Nalelon, Ezali, le sang. Je crois que ce thème nous a été prêché plusieurs fois avec beaucoup de résistance et de répétition. Jusqu'à ce que nous avions tous été initiés à connaître les attributs que l'on a donné à Dieu comme nom. Ndéboye, bisounyonso, toyekolaki, lolenge a kombo, oyo, apesaki nazam. Certainement, ces attributs, il y a bien des auteurs qui les ont donnés à Dieu. Nakanisye ke, ba kombo wana ezali na bato, apesaki yango nazambe. Ces hommes-là, nous les connaissons tous. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui les a dit, appelez-moi Dieu pourvoyeur. Là encore, il a déchiré. Mais ces attributs ont été donnés par des hommes. Ils les ont donnés à Dieu. Et lorsque nous
prononçant ses attributs. Tango, Tosali Totiaka, à Congo Wana. Nous nous rendons compte que ces hommes ont bien choisi des noms ou encore des attributs et ils les ont donnés à Dieu. Donc, au sens de la table, vous avez dit que c'est pas toi là. Yahvé Shammah, Yahweh Shama, Yahvé Ra, Yahweh Ra. C'est pas Dieu qui disait que je suis Yahvé Shammah. Il y a une personne qui m'a dit que Yahvé Shama. Mais c'est des gens qui parlaient à Dieu, qui priaient et qui lui ont dit. Tu es Yahvé Shammah. Et ça dit pas que on va se rendre compte là. Mais on va se rendre compte que la Jambe, on va nous dire que Yahvé Shammah. Et ça a été agréable à Dieu. Yahvé, il se félicite de Jambe. Mais la Bible nous dit que ces gens en question, Bible nous dit que Patoana étaient des gens qui se voyaient proches de Dieu. Il croyait de tous les cœurs qu'il parlait à Dieu. Il se sentait en accord avec Dieu. Il le connaissait. Et c'est pour cela qu'ils ont prié avec précision. Pour atteindre Dieu. Il y a un moment là, la fonte l'a dit, il y a six qui font que passif à l'armée. Et parmi ces grands prières, la carte à le soir, il s'agit bien de David. Moi, je l'ai raconté, David. Qui a transformé ses prières par des cantiques. A pour moi, le sang pour l'aïe et pour lui, ma Dieu. Et la théologie a découvert que dans celui qui prie, celui qui chante prie deux fois. Pas seulement qu'il prie deux fois, mais c'est parce qu'il faisait attention à chaque mot qui sortira de sa bouche. Comme il devait faire attention. Pour ne pas avec précipitation donner à Dieu ce qui ne le ressemble pas. Donc pour que dans le marco, on puisse l'entendre comme on le voulait ailleurs. Et chaque personne essayait d'être vraiment très précis. Monte la moto, attaque ton méga, n'accole pas plus là au sol. Et je crois. Après que j'ai reçu cette révélation de faire moi un peuple qui prie, qui chante et qui garde ma parole, si ma grand-mère qui dit moni, oh et oh et que c'est un gars écolo, oh et d'aller pour monter là, oh hier ma fille pour aller dans le bas. Dans le but de vous donner une formation, Natina n'a pas hier là au bon sapino. Je vous ai recommandé pendant peut-être toute une année à utiliser chaque psaume. Pas seulement faire une récitation, mais faire le Dieu. Jusqu'à au niveau de comment cette personne priait de façon ordonnée. Et découvrir le succès qu'il a eu après avoir fait de telles prières. Mais pour Kundola, et l'on a lié ensuite, si ma cosa la nos amours. Et aussi, comment est-ce que David a compris qui il était. Mais le légué de David est à son sol qui n'a lié à sa vie. Hein? Caliboso? David a compris qu'en tant que humain, lui-même était une créature aussi merveilleuse. C'est pas une façon de se vanter.
Mais c'est la connaissance de Dieu qui lui a convaincu que lui-même, David, était une créature aussi merveilleuse. Maintenant, les paroles qu'il disait à Dieu ou devant Dieu, ce n'est pas une foule de mots. Ce n'est pas une foule de mots qu'il devait dire devant Dieu. Mais ce sont des paroles précises. Pour chaque cas, chaque problème, et voilà pourquoi, avec cela, il a dit que les paroles pleines de chat bouillonnent dans son cœur. Amen. Ça, c'est ce qu'il a dit d'abord. Pas des paroles inutiles ou des paroles trop dites. Amen. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, je crois que pour ceux qui ont commencé depuis Rimassa, s'ils sont capables d'apprécier les choses, ils vont dire merci de se passer. Quelle était l'instruction qui a été donnée? Et quand on dit, frère, fais l'intention des membres du Saint-Esprit. Personne n'est pas autorisé à aller demander le sang de Jésus. Amen. À la place où on t'a donné un thème. Amen. À développer dans la prière. Ceux qui veulent dire, Néo, il y a des salles qui vont guérir, c'est qu'on lui mon sang. Mon nom, mon côté, à peu près, ça veut tout ça, il y a un peu de la prière, il y a un peu de la prière, mon sang. Amen. Aucun membre de la vie tombée ne pouvait faire de tel mélange. Quand on dit frère, prie pour le Saint-Esprit. Au point que tu te sens instruit. Au gouvernement, sa prière peut préparer la prédication. Invoque le sang de Jésus. Tous les auditeurs aimeraient bien t'entendre sur ce sujet-là. Donc ça veut dire que nous avons été initiés à prier avec précision, ne pas séduire les mots, ne pas signer les mots, parce que nous connaissons ce que nous avons dit. C'est ce qu'on a appris, n'est-ce pas? Amen. Moi, je suis quelqu'un de bien, mais moi, je me soutiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jacques dit, les noms Jacques à l'oubli, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous êtes au sable là, vous êtes au soyez, vous êtes au sable là, ma paix. Y a-t-il des prières, des demandes qui sont mal demandées? Et j'ai dit, oui, là, on sait que vous êtes au sable, oh yo, et ça va bien, ma paix? Oui. Et parce que la parole accuse cela. Vous êtes dit, non, parce que ça, pour le bayango. Un homme qui a le Saint-Esprit. Est-il donné des réponses sur une formule de prière? Hier, pour parce que ce n'est pas dans la droiture. Pour que
y a un mot qui est sali ma langue, c'est. N'est pas fait avec charme. Et salami na maloba, y a ma langue, c'est. C'est une prière qui est faite comme au hasard, mais ne donne pas d'appréciation sur Dieu. Et ça ressemble à salami na poisson, au lopé et sali, pour se présenter de terre. Vous vous souvenez aussi, vous avez beaucoup de la paix, que je vous ai enseigné une phrase. La terre qui nous a envoyé, c'est très agressif. Et ça m'a fait d'entendre quelqu'un prier disant, il y a beaucoup de la cause. Ah, vous savez, la loi. Dame, mes amis, il a toujours ses gagnants. Dame, ma loi, voilà, et allez, mon père, il s'en fout. Notre Seigneur ne nous a pas autorisé de prier de cette façon-là. Mon Dieu, c'est juste pour ça. Il y a pour ça que la neige au en fait. Le Seigneur nous instruit et dit. Mon Dieu, il dit son alobi. Quand vous priez, dites. Quand vous êtes pour ça que la parole va. Notre Père. D'accord, la vie. Il réclame la paternité. C'est là pour papa. Mais quand tu dis, armes. Oui, tu pries. Un homme qui n'est pas sensible t'apprécie. Mais un homme qui a le Saint-Esprit aimerait entendre dire notre Père. Et si toi tu as le Saint-Esprit, tu le comprendras. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu diras, il est trop compliqué ces larmes. Il est trop compliqué ces larmes. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a le On ne demande pas à Dieu avec des mots qui ne sont pas nettoyés d'avance. Est-ce qu'on n'est pas instruit? Est-ce qu'on n'est pas instruit? Parce qu'on exige une croissance spirituelle, même lorsqu'on entend parler, même lorsque tu t'exprimes. Parce que la Bible dit que non, ton langage est oui. Parlons de don de connaissance en partie. Le don de connaissance a permis à Jésus de dévoiler le cœur d'un homme. Le don de connaissance a permis aux apôtres d'entendre des paroles de mensonge sorties de la bouche de celui qui se défend. La parole de connaissance a permis au prophète Élisée d'entendre dans la bouche d'Élisée les créatures. Merci beaucoup. Celui qui a détecté dans les paroles, dans les propos, les choses qui ne sont pas justes. Est le même aujourd'hui. Capable que quand tu pries, un homme investi par l'esprit, dès que tu parles, il sort dans chaque mot que tu dis un déguisement. Déguisement comment? Ça peut être
la pensée de ton cœur qui est tortueuse. Ça peut être, tu n'étais pas toi-même vraiment dans la prière, mais tu essaies de prier devant les gens, alors on capte dans ces mots, des mots étranges. Et ils ne sont pas liés à, au mot de charme qui parle devant Dieu. Et j'ai dit quand tu sais que, il y a un moment, au milieu de l'église, pour la, le seul moment où vous allez poser la politique, mais ça ne va pas pour lui, alors il y a qui d'autre en fait. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, Jésus a parlé des discours. C'est cela qui a poussé à plusieurs personnes d'interpréter que Jésus a dit de ne pas prier longtemps. Alors que Jésus veut que si quelqu'un peut prier pendant longtemps, c'est bien. Si quelqu'un peut prier aussi pendant une minute, c'est bien. Mais le problème, c'est quoi? N'est pas dire des choses qui n'ont pas de sens ou qui se répètent, on ne comprend plus jamais qu'est-ce que tu dis en fait. Ne multipliez pas de vaines paroles. Effectivement, ça existe ou ça n'existe pas. Il y a solo et ça dit tout et ça dit tel. Les vaines paroles existent ou ça n'existe pas. C'est ça existe. Et ça dit. Avec ton entendement humain, tu peux découvrir des vaines paroles. Non. À combien plus forte raison le Saint-Esprit? Il te dira que ça, ce sont des vaines paroles. Est-ce que vous comprenez toutes ces choses? Amen. Qu'est-ce que donc Dieu veut? Devrions donc prier sincèrement et avec des mots appropriés pour les présenter à Dieu. Et c'est que tout ça fait là, n'a pas solo, n'a pas le bâton et coquille pour que tout le monde le soit assemblé. Si nous savions prier comme il le faut, sans que nous ayons pour ça fait là, nous collerons et le gobané, nous allons atteindre le but. Donc aussi, ma patine, nous allons changer notre environnement. Donc au bon voilà, nous allons tout bouger vers là où tu l'orientes. Nous allons guérir. Souvenez-vous que je vous ai rendu témoignage. Certainement, peut-être que le temps a manqué pour que vous me posiez des questions. Que je suis resté avec des pasteurs chez moi à la maison pendant toute la nuit. Et une soeur qui était possédée par des esprits. Il fallait que les pasteurs les fassent une délivrance. Ils ont prié toute la nuit. Et l'esprit ne sortait pas. Est-ce que c'est à cause du péché? Tout le temps qu'ils ont prié là, ils étaient en contact avec Dieu. Dieu devait pardonner les péchés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de confesser ton péché, mais si tu es en accord avec Dieu, Dieu te purifie. Et j'ai dit au point qu'ils m'ont perturbé toute la nuit. J'étais fâché. Pourquoi? Je savais qu'ils n'étaient pas en train de prier sincèrement. Comment ils ont prié? L'esprit de Maïkari sort. Je me suis demandé dans ma chambre, il y a quel esprit de Maïkari là? Il n'y avait pas un esprit de Maïkari. L'esprit de Rose quoi? J'ai dit, mais qui avait ce chrétien là?
Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ça, c'est l'esprit qu'ils ont vu. Je t'efface. Je t'envoie dans les Tartares. Ah, c'est dans quelle adresse? C'est pas parce qu'on a utilisé quelque chose avant, dans l'ignorance, qu'on doit continuer à rester dans l'ignorance. Quand je suis sorti, je les ai trouvés avec les doigts là, ils appuyaient sur le front de la personne. Presque jusqu'à 4h du matin. L'esprit ne faisait que s'agir. Fatigué, je suis sorti, je les ai frappés là. Éloignez-vous un peu. Sors de ce corps. Et l'esprit est parti. Et mon regard. Ils ont dit, papa, il faut nous instruire. Papa, je dis, au moins pour vous, vous avez peut-être instruit. Mais d'autres n'ont pas besoin. Ils vont dire, pour toi. Mais finalement, on a prié pour moi. Mais pourtant, c'est ça, votre échec. Et je les ai posé la question le matin. Où est-ce que vous avez trouvé l'esprit de franc-maçon ici? L'esprit a des lois supérieures. Votre prière a utilisé le mensonge. L'esprit mauvais ne se reconnaît pas appartenir à la franc-maçonnerie. Moi, je suis sorti. Jésus a posé la question à un homme qui était hanté par les esprits. Combien vous êtes? Ils ont dit les gens. Le Seigneur les a demandé de sortir. Donc ça veut dire qu'il faut identifier quel esprit tu es en face et comment le chasser. Est-ce qu'il faut être esclave des choses anciennes ou en apprenait encore? Non, on ne peut pas être esclave des choses anciennes. On doit essayer de pousser la connaissance loin pour faire de l'expérience qui ne peut jamais jouer. Et ce que dit Boye, tout pour ça, maïe la mission et la musique, pour que la mission et la mission, tout pour qu'on capte ma tête. Pourquoi la prière exige la précision? Pour le dire le sabot, et ça vous sait que on le va solo. Bien, avant de répondre à cette question, je voudrais vous donner les deux grandes prières. Utilisant le témoignage d'Élie. Tout ça est là. Il t'a appelé à Élie. Je n'ai pas le temps de lire, mais prenez note quand même. Élie devant Acha. Élie dit son Acha. A dit à Acha. A l'ombre d'Acha. Le son a dans sa moussa. Voici ce qu'il dit. Dans la peau, dans la peau. Il n'aura pas de pluie. Vous l'avez à la tête pendant tout le monde. Il n'y aura de pluie que si moi je le demande. Et mon nom, quand vous la soignez, la Seigneur. Il demande la pluie. À Seigneur vous la. Dites-moi. Avez-vous vu là où il a prié pour qu'il ne tombe pas de pluie? Pour mon dit que si capo et Elia s'appelle qui font la boule dans la tête. Avez-vous lu ça? Au dernier mot. Pluie, arrête-toi. Vous la souka. Non. Et quand le temps était arrivé qu'il pleuve, tango, et comment dit que vous la enoka, il n'avait aucune prière. Le sang pompé est à la pourquoi?
pour la nuit. Ça se passait là à l'intérieur. Et c'est là qu'il connaît Kaawa Katinaï. Et il ne faisait que donner des instructions à son serviteur de regarder le ciel. Qu'est-ce que Élie a fait pour impacter son âge? Il a fait deux prières. La prière avec des mots, c'est la première prière. Et la prière silencieuse, sans un mot. Voici les deux grandes prières dans la Bible. Paul dit, je prie par mon intelligence et je prie par l'esprit. Les deux grandes prières silencieux, au point que personne n'est capable d'entendre un seul mot. Et la prière qui est capable d'édifier ton entourage. Jésus a fait cette prière. Yesu a salé le sang et a expliqué pourquoi il faisait cette prière. Il dit, je ne te prie pas pour moi. Je prie pour que ceux-ci qui m'entourent m'entendent et croient que je suis ton fils. Mais pour moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Que je parle par des mots audibles, ou que je parle en moi-même, il n'y aura que le même résultat. Il est très convaincu de sa relation avec son père. Et nous aussi, nous devrions être convaincus que notre prière monte toujours à Dieu. Mais poser le chef dans cette prière, c'est mon attitude personnelle. Avec des mots sans précision. C'est moi-même qui vais échouer ma prière. Et alors, comment tu vas dire que ça ne soit pas là? Est-ce que tu m'entends? C'est pas Dieu. Et alors, il t'a dit que les prières qui n'ont pas d'orientation, qui sont en désordre là, ça c'est un bruit misé. Nous sommes au lieu, les amis alimentaires, pour les amis qui viennent, et à marquer les pommes. Amen. Amen. Il faut savoir bien prier. Je vous dis, il faut savoir bien prier et puis il faut savoir comment les leçons de la prière, vous la n'avez pas encore finies. Il y en a encore. Et ce que vous voyez par vous savez, vous le matin, vous avez le sang, vous avez aussi le sang, vous avez les ne te vois pas blâmer. On va le dire en réalité. Mais cherche encore une autre dimension. Nous gardons à la source. Cherche encore une autre parce que la vie spirituelle nous amène toujours à l'excellence. Pour que vous mouriez, et vous mouriez, et vous mouriez, pour que vous mouriez, et vous mouriez. Imaginez que notre église est une bonne église où beaucoup sont des anciens. Tu es invité, par exemple, à la présidence. Et vous avez dit au à la présidence. Le président s'assoit, on va manger. Ce qui est avec le pain se lève.
Je te vais appeler le Il commence. Ah, ma vie. Oh, il y a des tchèques. Est-ce que tu ne fais pas peur aux gens? Il y a un combat qui s'est rendu tête. Il y a des tchèques. Je te demanderai de vivre, bénirai, c'est une nourriture. Devant le président de la République, tu bénirais la nourriture. Et nous rassasirions et nous serons grossis. Il a invité un bandit. Moi, pour dire à mon côté qu'il y a un bandit. C'est un bandit. Ah, mon père, mon boulot. Alléluia. Certains me vont appeler là. Dieu va trouver un Thomas. Mais les gars, elles sont rares. Il va dire que c'est sans même des miracles. Ça, c'est un miracle. Quoi, président? Là, on est venu là, on va nous résumer. Ça veut dire que ça distrait. Et quand il y a votre cas, il y a vos états. C'est une distraction. Il y a même quand on a votre cas, il y a vos états. Au lieu qu'on regarde au fond de la prière, mais comment est-ce qu'on se dit dans le sein? Mais le mot cause la distraction et le cri. C'est pour cela qu'il choisit des mots dignes de chaque. Au point que tu pries, président qui amène à ça. Il ne peut pas résister à une seule prière. Parce qu'il est plein de charme. Et tout est avec une précision. Là, disons, nous avions rencontré un chrétien. On a entendu le chrétien parler. Les mots, les phrases, la vie sortie de lui viennent de la parole de Dieu. Voilà pourquoi faire. Chaque fois, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous avez mal. Mal, pas seulement avec des mots, mais mal parce que en réalité tu sais pas ce que tu es mort. Chaque Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien, je vais aller terminer. À quelle heure vous? L'importance de vivre dans la prière ou de connaître la prière. Pour tout le monde, il y a pour les arrêts dans le sang, tout le monde par le sang. Je vais parler de ça, je commence par un témoignage. À Kobanga, Kalita Koui. Le monde poussé à comprendre quelque chose. L'autre président, n'a qu'à pas ma vie, n'a qu'à pas de l'autre monde. Ce que le maître prépare à faire, on y aurait prépare à salir. Ça a répondu à quelque chose que je disais dans les semaines dernières. Et il y a donné la élan pour vous la pour le gouvernement au dit. Je disais, à l'homme, chaque serviteur de Dieu, au sein de l'élan pour vous la va se rendre utile pour sa propre famille. Et ce qu'elle a, c'est la moutou, il faut la dépose à la mon corps. De même que Paul, l'homme la Paul, avec l'amour pour sa nation. Il s'est même proposé être maudit à la place de Dieu. Au lieu de voir le peuple périr, Christ s'est fait malédiction pour nous, les hommes. Christ a mis la caméra pour la prison. Et Paul s'est fait malédiction aussi. Pour sa nation juive. Pour le faire avec la crème en paix, pour la épaule de la vie. Chaque serviteur de Dieu, mon seul Dieu sur la travée, devait éprouver de la honte. Et c'est que Dieu
de sauver son cœur. Mais il prend le peuple et il en amène tous à la mort. Et à ce qu'on a fait la mort sur la bouffe. Paul a dit, Paul a donné, crois au Seigneur Jésus. Dis-le-là, au nom de Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Au nom de ta vie, ta vie. Imaginez que ta famille n'a pas confiance en toi. Ils ne te croient pas. Mais la famille n'a pas confiance. Lorsqu'ils auront un problème au sein de la famille, la maladie ou la sorcellerie dans la famille, puisque en tant que chrétien, on n'est pas des assassins, on a tué un sorcier. Mais quelle sera notre attitude? S'unir dans la famille et s'engager dans un moment de prière et se livrer au combat spirituel. Au fait, au point que le sorcier qui est au sein de la famille, il ne trouve aucun homme à bouffer. Il ne trouve personne à empêcher de réussir. Pour que cela arrive, il faut que la famille regarde le don. Apprécie le don. Crois au don. Pousse le don. Parce que si le don perd, c'est que la majorité de la famille est aussi partie, perdue et détruite. Si donc on se rend dit, c'est ton humain et la vie est dans ta famille. Qui se réveillait? Quand dit la famille a serré. Après la réponse, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est aussi parti. Et quel rêve là? Où est-ce que tu as? Notre sœur juste aujourd'hui n'a pas d'enfant. Il est pas tout le monde. Nous allons nous réveiller. On va prier. Donc on prie. Et on va chasser les démons. Donc on paye dans le monde. On va écouter dehors. Donc on paye dans le cigare. Afin que celui-là qui est malade. On n'a pas besoin de fétiches. Mais moi et ta vie de cette famille, je serai un modèle. Je dois prier sur vous. Nous allons aussi veiller sur moi. Frère, les diables ne m'ont pas laissé là-bas. Parce que le lien de la famille est plus efficace. Si le diable réclame le garçon, la fille est dans la prière. Puis le diable réclame la jeune sœur. Et le diable ne pourra pas traverser cette famille. Alors vous serez appelés par une famille heureuse. Hier, c'est cela que le pasteur de Casse. Il a réuni toute sa famille. Que tu sois chrétien ailleurs, que tu sois païen, il a réuni sa famille là-bas. Au point qu'ils étaient plus de 60. Du plus petit jusqu'au plus grand. Il a conduit la prière. Il a exhorté. À l'église. Et ils ont prié pour le cas de chaque personne. Avant de voir les caméras, moto, moto, moto. Toi, c'est quoi? Je dis. Non, quand on paye mon salaire, ça n'arrive pas à la fin du mois, je finis l'argent comme ça. On va prier pour lui. Bon, moi, je me suis séparé avec mon mari, on a fait des problèmes jusqu'à maintenant. Prions, frère. Là où un tel blâme, l'autre blâme, l'autre blâme, l'autre encourage le pécheur, l'autre n'encourage pas, et voilà, qu'est-ce qu'on fait de la haine de la famille? Et à qui la terre,
Mais si c'est la prière, la prière, c'est l'acte d'amour. Le il a pas de prière contre. Et nous sommes bien la prière. Parce que la prière, moi que nous sommes pour prier pour nos ennemis aussi. Et nous sommes là, 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 nous Soit comme toi, 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 soit comme toi
foi de ses problèmes. Soit prie le foi de sa maladie. Soit le foi de sa C'est lui qui prie. Voilà son nom de là. Ne vois pas tout de suite le diable. À quoi ça va Il confie tout entre les mains du Seigneur. Je n'ai pas à juger quelqu'un comme pécheur ou non coupable. Non. Il y a une raison de venir vous attendre. Et puis, on a beaucoup de monde. Tu pourras pas juger les autres. Tu voyez que ça vous a beaucoup de monde. Parce que tu ne le connais pas du tout. Tu supposes. Il y a une raison de venir. Je vais vous dire une chose. C'est que, écoutez-moi avec attention. Si, maman, madame. Écoutez-moi avec attention. Au Congo, on a 95% ils sont morts à la suite d'une prophétie. Prophétie. Il lui a désorienté et n'a pas écouté ce qu'on lui dit. Je dis la vérité. Parce que beaucoup de gens qui prétendent prophétiser. Mais prophétisent par sentiment. Ils croient avoir le Saint-Esprit. Et avoir les dons, mais aux alentours, car bizarrement, ils n'ont pas de sourire. Parce que nous, nous avons mon père. La patience, vous aimez, la maîtrise de soi, vous voyez, là, vous avez un grand moment, ils n'ont pas ça. Pas d'un côté. L'amour, pour les mots, ils n'ont pas ça, aujourd'hui. Pas d'un côté. Il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas allés à l'hôpital parce qu'on les a prophétisés. C'est Dieu? Qu'est-ce que c'était Dieu? Est-ce que vous êtes dedans? Si Dieu dit ne va pas à l'hôpital, c'est qu'il a placé la guérison. Et il dit que vous êtes ici. Donc Dieu n'accepterait pas que tu souffres de ce mal. Jusqu'à ce que tu fasses coopérer plus tard. Alors Dieu sera moins sérieux. Je suis allé à Pointe-Noire. La terre à Pointe-Noire. J'ai vu une soeur. Elle était même venue ici. Elle souffrait des maux de tête. Mon père ne savait pas. Elle est venue à la maison. D'accord. Nous avons prié. Pour bon Dieu. Je l'ai exhorté. Allez ici. Je lui ai dit, il faut que tu vois ton médecin. Elle est venue avec moi dans la maison. Je ne peux pas tout te dire, mais il faut que tu vois ton médecin. Mais tu dois beaucoup prier, il n'y aura pas de mort. Mieux que toute la famille, il peut devenir un danger. Sa soeur prophétise. C'est son mari qui fait ça. Il faut le faire divorce. C'est lui qui a mon amour. Non seulement ça, c'est sa soeur chrétienne de son église qui fait ça. Et après que mon amour a sa église, mon amour a sa vie. Et alors, il faut les séparer et les divorcer. Et c'est lui qui a mon amour. Ils m'ont appelé, j'étais à Épinal là-bas. Avec une amour à Épinal. Sous le boudon, ils m'ont appelé. À Boudon, avec une amour. Mon petit papa, vraiment, on a été non compris depuis tout ce temps, on comprenait rien.
pardon. Celui qui tue la sœur, c'est son frère. Et les sorciers qui ouvrent les portes pour que le mari entre avec les sorciers, c'est la sœur. Pour lui, c'est un tel, et pour lui, c'est un tel. Papa, on se soigne, madame, madame, vous n'avez pas de se soigner. Mais il faut voir la paix. Il n'y a pas de se soigner. Et ça, on va y aller. Mais la doctrine va se soigner après la profondeur. Bon, tu ne vas pas là. Et à pour lui, c'est tel, pour lui, c'est son volume. J'ai dit à la sœur, qu'est-ce qui vous intéresse? Sa guérison ou connaître le diable? Non, maman, c'est important de parler de diable. Bien, je vais te dire une chose. Après, tu sais, le diable a des cornes, tu connais, non? Ça va, tu sais le connaître. Maintenant, tu es au courant, non? Oui, mais quand même, c'est vrai. Le diable n'aime pas son mari. Ça, on ne peut pas y aller. Quel papa, il y a pas un appel. Ah, après, moi, tout est yéban. C'est bon. J'ai dit, sous ma parole, amenez la dame. Et appelez-moi. Dès qu'ils arrivent à l'hôpital, la sœur souffrait de tumeurs. J'ai dit, maintenant dites à votre prophétesse de dire comment cette tumeur sera enlevée. Finalement, il faut sortir l'argent. Ça veut dire que pour sortir l'argent, il faut pas être son sorcier. Vous la famille sortez l'argent. Son mari c'est le sorcier, que son mari ne sorte rien. Vous avez accusé la chorale, Serge. Je dis que vous avez accusé l'église. L'église ne dort plus. Et le docteur demande combien? 5 millions. Docteur, mais pour combien pour opérer. Voilà ma pastoral. Non, vous allez. Là, vous avez appelé le sorcier. Ils ont appelé le mari. Bon, malgré votre accusation, je donne la cotisation. Je donne 4, vous donnez 1. On a cherché un jusqu'à. Mais les prophéties là, vraiment, donc vous prophétisez sans avoir l'argent. Oh, ça va pas présenter. D'autres prophéties, c'est de l'abandon. C'est-à-dire, pas moyen d'amener quelqu'un à la guérison. Pour se débarrasser, on accuse le sorcier. J'ai rappelé la famille. Réunissez-vous et appelez-moi, mettez-moi. Ils m'ont appelé. Je les ai tous blâmés. Païen comme un chrétien. J'ai dit maintenant, j'ai compris que vous n'avez pas de foi. Vous êtes des simples fanatiques. Le temps de prier pour sa guérison était là pour vous. Mais vous avez perdu le temps en allant de la Kizinga prophétiser et on l'avait la sœur avec de nouveaux comptines. Ils ont fini. Facile ici. Et la prophétie a changé de camp. Quelle prophétie? Ça a changé de camp. Et bon, moi. Maintenant, les prophétisent différemment. À quoi ça peut la dire, monsieur? On a battu la partie. J'ai dit, quelle prophétie? Oh, prophétie d'Élie. Vous aussi. Bino, vous m'entendez. Bonjour. Je vous dis la vérité. Après le même sol. Ne vous faites pas tuer. Boumé pour ma tête. Consultez un vrai serviteur. Et il y a beaucoup de la mosaïque, mais il sort. D'autres sont pressés à dire là où Dieu n'a même pas dit. Ne jamais avoir honte. Vous êtes solide. Dis à quelqu'un, je n'ai pas encore reçu la révélation pour ton talent. Mais
est assis. Je sais ce qu'ils ont fait. Je prie pour toi. Namo de la Ponayo. Et de la Ponayo. Ce qui est écrit, ce qui est recommandé, c'est que je dois prier pour toi. Tu as dormi. Peut-être que c'est un sorcier. Ou peut-être qu'il n'y en a pas. Mais je prie pour que tu rêves très bien. Sala. Amen. Amen.
Mon dernier point. Il fait des prophètes. Pas seulement les prophètes. Quand on a prophète, qui sont nés. La prophète. Il y a aussi les prédicateurs qui sont nés. Il y a un peu de pour la montagne. Une grande partie, c'est pas l'amour pour Dieu. Et qui m'ont donné, et c'est que nous pas mais c'est le besoin financier. Ils ont poussé un moment qui a fait que quelqu'un abandonne son village. Oui, c'est que vous avez dit à mon père, il veut s'établir à Brazzaville. Aïe, pour vendre à Brazzaville. Il commence à louer la maison dont il ne peut que ne pas payer. Ah, vous faites un tableau avec qui vous vous tapez. Si c'est un prédicateur de l'image. Il y a comme vous dites. Il a un but spécial. Si tu n'as rien et Yéman. Comment tu seras jugé? Comment on s'en est en cause? Adultère, tu rentres aux enfers. Mon père, comment on est en cause? Je souhaite que tu prospères. Tu marches comme tu es là, voilà. Et on est en cause de la cause. Où tu as sauté? Et tu vas le sauver? Est-ce que tu as compris ce que Dieu disait déjà? Dieu sauté, il n'y a pas de mal à faire. Il y a beaucoup de sauté. Mais là où tu es allé prendre, Dieu est sauté au besoin. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Dieu est venu dans le livre. Prospérer. Bon fond. Je veux dire simplement. Tous les prédicateurs ne sont pas admis à prêcher la parole. Ce qui est à recommander. Le prédicateur va rentrer dans la vie de Jésus. Il était charpentier. Il y a un jour demandé à l'évêque, mais quand vous donnez des annonces, c'est que non, pour ça, il y avait un espace traiteur, on va pas payer pour la moussa. On a combien de frères qui ne travaillent pas, mais qui ne peuvent pas inscrire. Et là, on va se la tête. Mais qui croit au message de la prospérité? Papa ni maca, na maca au fond ça. Il est prospérité son travail. Au fond ça fait un message. C'est une force prospérité. Et la vie au prospérité au Bouddha. Sans même connaissance. À quand on a l'air de tête? À quand on s'arrête? Alors qu'un pasteur peut être couturier. Pas seulement ça fait un peu de temps. Après la matin 15h, 16h à fitness. Après un moment, allez, ça va moi si ma banque. Amen. Mais il faut que pour ça, la tête, mon tour, elle a dit qu'il faut que depuis qu'elle a mis, à quelque chose sur la boucle à pied. Mais il faut que ça, la femme, on est dans la boucle, moi, je vais la citer. Après, il y a la tête. Qui en a appelé? Qu'est-ce que tu es venu faire? Pour nous, nous calmer. Des gens comme ça ne peuvent pas prier pour que vous prospérez. Il prie pour sa prospérité à lui. Mais il ne sait pas que dans cette prière de prospérité, voilà pourquoi, au lieu de voir la réponse de Dieu en prière pour que Dieu envoie un prédicateur, mais. C'est pas Dieu qui envoie, mais c'est la famille qui nous envoie quelqu'un qui a faim. Mais effectivement, quelqu'un qui est capable de louer sa propre maison, celui qui est capable de s'occuper de sa femme et de ses enfants, il perd tout ce temps-là après la synagogue, église, l'église, jeunesse, l'anda, la deuxième jeunesse. Quand tu es à l'Ironga, tout, retourne à l'Ironga, il y a trop de poissons, va en forêt, va cultiver les magnons. Dis à ta femme, ne sois pas traîtresse, sois chrétienne. Nous allons sur le fils, devant la voiture d'ailleurs, pas de la montée, de la montée, ça va aussi un grand nombre de prédicateurs. Ils sont pas appelés de Dieu. Mais ce sont les déserteurs de leur village.
tu reviens de chez toi là-bas encore à dormir dans le reste. Moi, je me trouve à aller là à l'église. Au froid. À prier de tout pas. Au rouge. Après ça, après parfait. Après moi, je suis le frère à prier à la soutenir l'église, hein. À soutenir. Tous voyez. Donc, suis-je au cas où moi, je n'ai pas de problème. Ah! J'ai dit d'abord, tout pour le soir, si le milieu chrétien est menacé, sauf qu'il s'en va à Christ et pour que vous lui savez, parce que les gens qui n'ont pas reçu la vocation se sont mis en vocation. Et là, par contre, c'est pas ça, frère Smith. Le frère Samba Smith. Notre frère est guéri en Europe là. Ça fait longtemps qu'il est ici. On va parler de lui après. Pourquoi on va dire merci? Amen. Est-ce que vous comprenez? Allons pour ça. Parce que sous la route, il y a des abonnés à Beach Pastel. Parce que sous la route, il suffit d'apprendre à Gala dans les océans du Nord à tout évangéliser. On a Bible à dire à frère, tu es sérieux? Oh, je suis sérieux. D'accord, bien. Car la vie qui fait mon problème est bon. Oh, vraiment, là, soutien là, ok, moi, oh. Moi, si je fais, ça va pourquoi ça pour la bonne, on va pas me la bien. Est-ce que tu n'as pas honte? Je me suis dit, eh bien, on va le voir là. Est-ce que tu peux me donner le nom du quartier si la boule m'en aide pas? Maintenant, le quartier où on a, vous avez. Tu es venu perturber la foi. Un fantôme. Au moins, la hawa, mon dieu, gâté la terre. Vous ne verrez pas ici. Au moins, la terre. Quelqu'un qui croit connaître Dieu, mais dont moi, je sais qu'il ne connaît pas Dieu. Pour les autres, il y a des bizarres, mais il y a des gens qui ont été perturbés. Parce qu'il va nous perturber. Ah, au coup du samedi soir. Ces prédications, il n'y a que la posture. La terre est là pour faire ça. Il ne prêche pas la repentance. La terre n'a pas beaucoup à. Et ces femmes sont complices avec les mâles. La femme commence à pousser l'homme à parler mal de Dieu. Moi, ça m'a dit d'abord. Alors, on va bien d'accord. Il y a toi avec. Il me soit. Il me soit. Moi, si mon tapot dit, mais mon mal, il a révolte. À propos de mon mal, que ce volet a dit. Il y a la maman Pastel. Ou à toi, qu'est-ce qu'il y a de l'équipe? Toi, Ali, mon frère, il m'a dit. Eh, qui est là-bas? Oh, la prière, je ne supporte pas les choses. Nous sommes pour que la maman Pastel, comme on a dit. Celui qui prie, laissez-le. Moi, je crois que c'est vrai, hein. Jésus était charpentier. Il est soit pour ça dans la parole. Paul fabriquait les tentes et il les vendait. Paul a dit aussi à la porte pour pas coûter. Mais demandez aux prédicateurs d'aujourd'hui, ils ne font rien du tout. Parce que la terre a payé. Mais ils se sont glissés parmi les prédicateurs. Ils s'appellent hommes de Dieu, hommes de feu, hommes de charbon, même de poudre. Il veut prêcher le dimanche. Ce n'est pas dans la bonne intention. Mais motivé pour être vu et acclamé par cette foule. Or, si nous prions, Dieu ne nous donnera pas de tels prédicateurs. Amen. Amen. Dieu nous donnera des gens qui, dans leur maturité, ont grandi. Ils ont grandi. Ils représentent le problème du peuple. Ils parlent devant Dieu. La côte à laquelle le monde a la centre-ville, côté à la serre, il va y avoir comme un étendard. La monnaie prédicataire a changé de voix. Mais attends, ma bocobo. Quand tu as un téléphone, quand tu as un cadre.
est-ce que akozwa panalité à saluer na homme de Dieu. Merci papa. On va monter bout à marana ngoto. On va vous va créer que pour nos banques. Regarde, inshallah mon frère bon. On a écouté la sœur. Parce que au bas tu as opportunité papa. Soko ye bandi baye bile mais quelle offrande de journée wa. Donc tu as signé un contrat pour que ce qui a yembi, si on n'a pas embolé 100, après ça article à 10%. Non. Est-ce que assure qui peut le passer? Ah là je dis sur la personne. Assure qu'à la personne. Bah toi les nous là c'est ma kembi. À tout ça nous on est les barons au pesanté et à la katena. Alléluia. Amen. Maintenant, on a besoin d'une église régénérée où on ne doit pas encaisser des voyous. Pour ça, pour cette église, c'est un autre nous, comme on a bandit pour le terre. J'ai un frère, le frère qui est avec nous, le catholique, Willy. Le frère Willy, il est devenu prêtre aujourd'hui, il était notre frère, là, à la Rimassa. Willy a commis ça, on a dit qu'on a mis ça la Rimassa. Il est allé suivre la formation à Rome. À quel moment il s'est arrêté à Kuna à Rome? Il a passé 11 ans à Rome. Avec ici 11 ans Kuna. Il n'a vu le pape qu'une seule fois. À mon avis, pas tout fait dans Balamoko. Je ne sais pas si ça gêne. Je crois que ça ne gêne pas. Parce que c'est un terrain apprendu. Il y a un peu de temps. Quand le pape fait ses audiences, tant que papa pour y a ma pâte, qui va être à côté? Non, on se rappelle là. Ils sont bien connus. Aïe, Bani. Et on lui a dit, ta prédication c'est dans ton village. Ma terre, et aussi on a dit, on l'a mis à la vie. Bien ici. Au lieu qu'on l'envoie à Brazzaville, on l'a envoyé direct après ma croix. Parce qu'après ma croix, c'est ma mille. Dans ma mille, il y a combien de gens? Mais chez nous ici, dès que tu viens aujourd'hui, il se dit c'est moi qui te dis, Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Et donc on a fait la rente à dire qu'il est lié, à dire moi les mots. Et dès qu'on fait la réunion, il lève le bras. Il a fait la réunion. Quelle idée il a aimé? Parce qu'il n'est pas suscité par Dieu, il est suscité par la famine, la crise économique, le besoin d'argent, le besoin d'être chef. Voilà pourquoi il est né de ces ambitions-là. Les entrailles de l'ambition l'ont enfanté. Il est né à Tinabé la tempête. À Fontabé. Et il est venu pour moi, il y a ma calice, ma paix, votre potier. Car si tu veux avoir un peuple, il faut demander à Dieu pour te donner ce peuple. Sauf que l'école soit école, c'est dans le temps, mais après ça le tourne. Et si c'est un peuple que Dieu te donne, tu ne feras pas de ta femme la maîtresse de toutes les sœurs qui viennent à l'église. Tu es le coup d'un gars, on t'en a envoyé. Tu es là. Yes, c'est quoi, sont devenus des maîtres expressément et sont devenus enfantés par le désir et non par le Saint-Esprit. Je vous demande, soyez nés du Saint-Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
solitaire. Soyez nés du Saint-Esprit. Vous n'allez pas réclamer les serviteurs à la maison. Vous n'allez pas demander les gens de payer vos maisons. Mais vous serez prêts à soutenir l'œuvre de Dieu avec votre compétence. Je le répète, faites attention. Pour ça, que tous ne sont pas des vrais serviteurs. Une grande partie vous prophétise le mensonge pour vous mettre en prison. Vous êtes malade? Priez. Même si le médecin vous dit, on va vous opérer. Laissez-le faire. Mais avant de le faire, vous entrez dans la prière. Avant qu'il vienne confirmer son opération. Si Dieu vous a exaucé, c'est le médecin qui va lui-même dire, à cause de ta maladie, tu seras plus opéré. Voilà la vraie guérison. Vous voyez la sœur la gendarmette là, elle avait le cancer du sein. Notre sœur, comment elle appelle, Bibi, le cancer du sein. On a dit, il faut qu'on t'opère à Paris. Elle m'a demandé, papa, est-ce que je peux partir? J'ai dit, prions. Elle dit, je peux partir. Je dis, tu peux aller. Si Dieu ne veut pas, ma prière va te guérir. Mais si Dieu a choisi que tu sois opéré, fais-toi opérer. Ce qui compte, c'est que je veux te voir en vie. Amen. J'ai prié pour elle. Et elle a pris le vol. Elle est arrivée à Paris. Elle s'est présentée chez les médecins. Dès qu'elles ont vu, ils ont dit, mal. Vous êtes guéri. Sans être opéré. Ton petit, ça sert qui va opérer. Mais il va aller à un niveau. Si vous professez le bébé, et continuez pour m'accomplir, ça ne va pas opérer. Ou va payer. Hein? Va payer. Non, à la fois. À la fois. La papa n'a pas eu pas la fin de l'école, pour tout le monde la table. On a caca. Et quand ça va, on a. Et donc, ça fait quand j'ai mis ça, la salle qui compagne, à Sindima, à l'objet de Seigneur, me dit, geste. Pas changer de ma voix, tout. Geste ce médicament. Le Seigneur te guérira, crois seulement. Après, l'objet de ma soeur, on a la foi, que vous avez dit qu'à quel point la foi, que le Bouddha. Et l'homme au lobby sur mon tandis, il y a déjà foi à Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen.
choses que tu vas demander, et l'homme est beau au Seigneur, à vive voix, tu vas demander au Saint-Esprit de t'accorder la vraie connaissance. Ensuite, tu vas pas demander les dons, mais tu vas demander le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, la fidélité, la joie. Alors ouvre ta bouche, lève ta main. Prie pour la connaissance, prie pour les fruits de Saint-Esprit. Ne te laisse pas embrouiller par la chaleur, mais seulement permets, concentre ta pensée et retire au fond de tes entrailles ce que tu vas dire, parce que tu le dis dans l'esprit. C'est pour cela, cela interpelle l'attention de tes entrailles. Souvenez-vous de la prière qui sort des entrailles. Lève seulement tes mains. Ne regarde plus ta main, ne regarde plus à ta faiblesse, ne regarde plus à ta chaleur, mais un silence profond, mais qui remonte dans ton cœur beaucoup de choses à dire et à demander à Dieu. Là, tu vas sentir que tu vas prier profondément. Alléluia. Amen. Si vous trouvez qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille qui est capable
serviteur de Dieu qui va aider votre famille dans ce moment de prière ensemble. Sauter la Bible à la Bible. Vous allez montrer mon corps quelque part au sacrifice pour vos parents bien ensemble. Voyez les sangs. La routine d'après mon sac et la voix pour la sous la Bible. Essayez d'inviter chacun, mais quelque part au sein de la famille, au lieu de vous faire la réunion de famille. Ne vous le pas bien à Dieu. Car c'est important. Car si nous on est là, quand vous faites la réunion, est-ce que vous avez compris? Moi, c'est samedi, je vais le faire. Car il samedi, quand vous faites la réunion, avec toute la famille. Car il y a du mot d'alliance. On va prier et on va écouter le sujet de chacun. Pour qu'on ait la paix de Koyoka, il y a un bon moment. Prier. Pour qu'on ait la paix de Koyoka, il y a un bon moment. Les examens, on va prier pour eux. Voilà pourquoi vous savez les examens, vous pouvez vous rendre en gros. C'est la famille. Allez, bon. Faites une réconciliation familiale. Vous sommes à rendez-vous, il y a et rendez-vous les uns et les autres au sein de la famille. Rendez-vous la famille, vous avez tout le monde. La bon. Il ne s'agit pas de se rassembler pour payer le taxi à un à un an, c'est pour la prière. Et il y a des mots qui sont pour la foutre à haut, pour le tour et pour la taxité. Et après, on a tout ça. Parce que si vous commencez cette prière, en ajoutant, on s'organise. Chaque mois, on va commencer à donner. Donc, ça change le sujet. Si on dit que le gars est à haut, on va tout le faire à haut chaque mois, après, on peut se faire à haut. Et puis, on peut vous dire qu'à haut, pas ça. Ce que je demande, c'est seulement la prière pour les autres. Et dans ce cas-là, le sang au bon avenir, avant la dégo. Vous serez initié à prier lorsque un seul sera à l'hôpital, toute la famille aura l'habitude de se réunir ensemble et faire la prière. Pour faire la veillée de prière, pour la famille en question, avant que l'église s'organise, même si l'église s'organise, mais vous, en tant que famille, assemblez-vous et priez pour celui qui est à l'hôpital. Beaucoup de messages. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Ceux qui ont vu nous encore, c'est l'hôpital. Et puis nous avons vu que 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 nous pas parce qu'il faut que ça soit seulement celui qui le réveille. Non, pas dans le réveil. Même s'il est catholique, même s'il est musulman, il est de la famille, qu'il fasse sa prière pour la famille le jour-là. Et elle dit, vous prenez dans la communion, son père est côté de la. Et elle dit, quand la guerre va s'en aller, le site à mon corps, toi, c'est la catholique, toi, c'est la musulman, toi, la bénédiction, la rosaire, et elle est ensemble, elle a le numéro, elle a son femme. Ne commence pas à blâmer les autres pour leur formule de prière, mais toi, précieusement. Même si lui a commencé avec le signe de la croix, le regard ne peut pas tomber sans le faire. Ce qui a servi est pour lui, comme la tête, on va le faire pour lui, on va le faire pour lui, on va le faire pour. Amen. Amen. Que Dieu vous accompagne dans vos familles. Amen. Peut-être que tu ne sais pas faire, tu peux dire, bon, je vais assister là où la porte va s'engager avec sa famille, sa façon de prier, ça va m'inspirer pour que moi, nous puissions là-bas avec ma famille. Tu peux le faire. Amen. Amen. Bannissez vos hommes, vos problèmes, ou vos difficultés, soyez un, vous allez voir la puissance. 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 Vous allez Neko Azali étudiant. Bongo pour la mercredi, à qui n'a l'école. Comme à comment qui n'a l'état, à soi qui est ici à profane à qui. Asali pour, jusqu'à que assis ici, 19h.
il fallait que le démon a son mental. Quand on l'a dit, à Tiaki, porte monnaie la haine à gauche et à cima. A commis pour son mental, pour comment on a dit là, à bout d'aller, dans la ligne à Moussou sous la terre, et c'est comme on va. A l'inamou à l'obéro, il y a un peu pour RD, à l'obéro et à l'inamou. A lui, mais bichot, au moins, dit, carte d'identité d'ailleurs, quelque part. Au moins, il y a un peu. Alors, de partir par rapport à la gauche, votre monnaie, et ça l'a de souper. Donc, le Balobi, heureusement que le Balobi, il a été non pas assis. À l'électrique, que ce soit l'occasion, donc, bon, on peut taper les mecs aux arrêtés. Les paris dans le capo, à l'époque, on va souiller, à foutre les transports, à commis dans le capo, à expliquer la parole à l'époque de Balobi. Et là, c'est important, les amis, on retrouvait quatre décisions d'ailleurs et la carte d'identité. Mais à quoi tu priais? Abondé il y a 50 ans, mais et a retrouvé l'homme à l'aide. Le lendemain, quand on a été à l'école, à commune, à moins de deux personnes, à l'aide pour moi, à l'aide dans le but, car tu n'as pas eu un bon. Il y a le même vieux monsieur à nous dégainer. Habiter pour moi, à mon assiette, par tout à l'heure, pour moi, à Gambo. Pour moi, la porte-monnaie, d'ailleurs, au terre à ce qui m'a dit, n'est-ce pas. Et quand on a fumé, à mon il a tout, n'est-ce que ça qui a voulu aller pour l'ensemble. Merci. S'il m'était permis à moi de voir à la fois mille dieux, je fermerai mes yeux et je regarderai qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est toi. Et j'aurai une conclusion au fond de moi et je dirai, tous les autres dieux ne sont pas des dieux. Car ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils échouent. Mais mon Dieu, au-delà de tout, ils voient plus mieux que les yeux. Au-delà des oreilles, il entend au fond de son cœur. Et le plus grand mot à dire, c'est j'aime, je t'aime. Et c'est pour cela que je t'ai conservé la famille. Et moi, je dirai encore, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Et apprends-moi à comprendre comme toi. Et apprends-moi à reconnaître que chaque jour, je veux être instruit pour une autre dimension. Que je ne m'inquiète pas sur ce que je suis, mais que je m'inquiète de chercher à te plaire et non à me donner du plaisir moi-même. Nous sommes dans les temps les plus difficiles où même si nous ne connaissons pas, mais nous disons que nous connaissons. Si nous ne savons pas prier, mais nous disons nous savons. Mais nous disons Seigneur, apprends-nous à prier et à exceller le plus bel, afin que chaque jour, notre prière impacte notre vie, impacte la vie de ma soeur, impacte la vie de mon frère, et donne à cette église, cette année de triomphe, une marque de triomphe dont nous devrions nous approprier. Triomphe pour guérir les fruits du Saint-Esprit. Triomphe pour recevoir le don du Saint-Esprit. Triomphe pour que notre connaissance augmente de plus en plus. Merci, cher Seigneur. Louange à toi,
parce que tu as du meilleur pour nous. Et tu les as préparés pour nous. Gloire à ton Seigneur. Le Seigneur m'aime. Il rend de la carte la précision. Et dans mon thème, mon abisso, maloba oyo malamu et bouillonné. Nati na été oyo tokoloba. Le sang la vie c'est la vie et des colons. Comme ça, l'église oyo, l'église a une pandémie. Nati na été ma immense oyo et allé au cours de la vie. Na oyo tout le dit pour ça. L'onéme oyo tout le dit pour ça. La victoire oyo tout le dit pour célébrer. Et l'onga oyo tout le dit et des tas de sa macabre la vie. Nanzela ya le sang. La prière pour que ça ait la carte de la précision. Merci Seigneur Jésus pour que connaissance pour le produit et vous dites pas d'ailleurs. Mais Saint-Esprit a continué à enseigner la Église pour le connaissance, fait dimension et la connaissance pour le la Trinité à solo. Non, ce pour le céder à l'amour, tout le monde est à l'amour et pour qui ça. Merci Seigneur. Comment allez-vous, béni Corégoïa, dans la prière pour que ça ait la carte. Na la famille, na la ndako, individuellement, vous avez dit à l'été. Yango est na li pompa, na le mapota yonso, mais na moto yonso, ou yango de la yon. Le sang on a eu la précision, le sang on a eu la détermination, le sang on a eu, yango taille sa yon réellement, ni lié à la yango besoin. L'âme est de mambouma, peyo ou koki sa la moko la moko, le lége ou yango yango senga y pa yon. Merci Seigneur Jésus, merci. L'olégué Oyo, on t'a dit si la mission était au lévi du Somala, et Oyo, tu as dit que 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 tu as merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors pour qui la tigna, Pessa Bonilla a monté, Novalaye Zala, moi si Pébobal Yama Mongeli, Pessa de la pression, le réalisant des réellement pour le Zala et nos besoins, Maloma Malam. Amen. Est-ce qu'on a mis tout le temps? Oh! On voit bien la bonne.